السلام عليكم. اليوم نورمالمون غادي نبداو لا بروميير سيونس كونسيرنون لو ديمونسيونمون اي لا ميز اون سيرفيس دي انستالاسيون دو بومباج سولير. دونك كنا قلنا بان لي انستالاسيون دو بومباج سولير فاش كنا دوينا في فاش كنا دوينا في الاول على لي انستالاسيون فوتوفولتايك اون جينيرال. On a donné un aperçu sur le sur le, la composition des installations autonomes, des installations de pompage solaire, des installations raccordées au réseau. Normalement, les installations autonomes, mais qui compte le générateur photovoltaïque, qui compte raccorder un régulateur de charge, ou qui compte raccorder à des batteries, qui sont à leur tour branché à un moduleur. Donc le rôle de moduleur, c'est de générer le courant alternatif. Les batteries sont pour le stockage et la stabilisation. Le régulateur de charge, c'est l'intermédiaire entre le panneau photovoltaïque et les batteries. C'est pour contrôler la charge et protéger les batteries contre la décharge profonde et la surcharge. D'accord? Mais le système, il est nécessaire d'avoir des batteries, d'avoir un système de stockage. Pourquoi? Pour avoir au moins la stabilité. Je sais pas d'ailleurs le stockage pendant la nuit, mais au moins la stabilité. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire fonctionner des appareils et que vous n'avez pas accès au réseau électrique, ça veut dire que vous dépendez principalement du courant généré par les panneaux photovoltaïques. Supposons que il y a un nuage, par exemple, qui bloque l'irradiation. Dans ce cas, les appareils d'ILCOM vont cesser de fonctionner parce qu'ils dépendent directement du courant généré par les modules photovoltaïques. Alors que le rôle principal des batteries, c'est de stabiliser la production. Si vous avez une production stable, ça veut dire que vous ne dépendez plus des conditions météorologiques. D'accord? Mais pourquoi? Parce que les appareils que vous êtes en train de faire fonctionner, il demande un courant et une puissance stable. Vous êtes en train de faire fonctionner, par exemple, une télé ou un PC ou, par exemple, même de l'éclairage, d'accord, que vous utilisez pour une des raisons essentielles. Vous pouvez pas se passer de l'éclairage. Dans ce cas, vous ne pouvez pas dépendre directement de l'énergie produite par les panneaux. Mais si vous êtes en train de faire fonctionner, d'utiliser une pompe qui sert à tirer l'eau à partir d'un puits et le transporter vers un bassin ou un réservoir d'eau ou une utilisation directe. Est-ce que vous avez besoin vraiment d'une stabilité? Ça veut dire que s'il y a un nuage, par exemple, qui bloque les radiations solaires, ça veut dire que la pompe va s'arrêter, va cesser de fonctionner. Est-ce qu'il y a risque sur un appareil ou sur l'utilisateur? Il n'y a rien. Donc, une fois que les nuages seront dégagés, la pompe va reprendre son fonctionnement et donc il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de raison pour s'inquiéter, surtout si vous avez par exemple un système de stockage, si vous avez un bassin, un réservoir. Dans ce cas, même si la pompe cesse de fonctionner, quand même il y a un stockage, il y a de l'eau qui est stockée quelque part que vous pouvez utiliser en attendant que le pompage reprend. Donc généralement, sur les systèmes de pompage solaire, alors, il n'y a pas de stockage. Mais il peut chez واحد يجي عندك يقول لك j'ai besoin d'un système de pompage solaire et vous proposer une solution avec batterie. C'est interdit. C'est très déconseillé d'utiliser des batteries pour le pompage, même si vous êtes en train de même si vous avez une installation autonome, on va dire qu'elle a une puissance de 5 kW. Elle a l'installation de le dernier exercice de dimensionnement, quand l'onduleur fait 5 kW, je crois qu'elle nous fait acheter 12 panneaux de 400 watts.
ou je sais pas combien de batteries, ou 8, 8 batteries, ou la 12 batteries. Donc, c'est une installation liquide. Même si vous voulez faire fonctionner une pompe matérielle de 3 chevaux, les 2,2 kW, et 2200 watts. Normalement, l'onduleur n'aura aucun problème à la faire fonctionner. Parce que l'onduleur est de 5 kW, alors que la pompe ne consomme que 2200. Les batteries aussi, ils peuvent fournir le courant nécessaire pour la faire fonctionner. Durant le jour, les panneaux peuvent fournir le courant nécessaire pour à la fois charger les batteries et donner le courant exigé par la pompe pour fonctionner. D'accord? Mais qu'il y a une limitation. Le problème, fin qui compte. C'est quoi le problème? C'est que la pompe, lorsqu'elle veut démarrer, la pompe est en arrêt. À un certain moment, la pompe, vous l'avez activée, donc elle va essayer de démarrer. Elle va exiger un courant qui est très fort pendant un certain temps. Puis, il va passer au régime stationnaire. Donc, il n'y a qu'un le courant, maintenant zéro. Et là, la pompe, normalement, elle fonctionne avec 50 ampères, par exemple. Mais au moment du démarrage, elle demande 10 ampères. C'est un exemple. D'accord? L'intervalle de démarrage de la pompe, ou la phase de démarrage de la pompe, elle tire un courant très fort. D'où vient ce courant? Des batteries. Parce que, bien sûr, les panneaux ne peuvent pas combler un appel de courant très fort. Ils sont limités en courant. Les batteries ne sont pas limitées en courant. Si vous demandez un courant qui est très fort, ils vont vous suivre. L'appel de courant très fort, il va endommager les batteries. À chaque moment que la pompe s'arrête et redémarre, s'arrête et redémarre, il y a un appel de courant qui risque d'endommager les batteries. Avec le temps, après quelques mois, vous allez remarquer que certaines batteries de votre parc de stockage, donc, ils vont perdre de leur capacité. Il y a même des batteries qui vont lâcher carrément. D'accord? Donc, c'est très, très déconseillé, c'est même interdit d'utiliser un système autonome pour de l'irrigation ou là pour du pompage. Par exemple, si un client vous consulte et que vous dit, moi, j'ai une maison dans une petite ferme et que j'ai un puits équipé d'une pompe, mais en même temps, j'ai une petite maison ou là, une petite villa que je veux alimenter avec de l'énergie solaire. Et j'ai besoin d'un système autonome pour alimenter ma maison qui inclut aussi un système de pompage. L'idéal, c'est de proposer à ce client deux solutions. Une solution autonome avec stockage pour la maison, donc elle va alimenter la télévision, les machines à laver, l'éclairage, tout ce qui est électroménager, c'est bien, il n'y a pas de risque. S'il est bien dimensionné, bien sûr, comme on l'a vu sur la formation précédente. Walekin, la pompe, il faut lui proposer une deuxième installation séparée. Elle a les modules photovoltaïques, elle a le contrôleur, la pompe, ce qu'on appelle un variateur de vitesse pour la pompe. Ou elle a bien sûr la pompe. D'accord? Dans ce cas, le démarrage de la pompe ou l'utilisation de la pompe ne va pas puiser les batteries. Et vous avez préservé leur durée de vie. C'est l'idéal. Mais parfois, qui gêne, qu'un client l'ait le budget serré, mais qu'il y ait deux installations, dans ce cas, vous pouvez opter pour la solution intermédiaire, c'est que les deux installations, ben, au moins, il faut nous questionner le même panneau solaire. Ok, switch combinaison manuel, parce que vous ne pouvez pas raccorder le panneau solaire à un régulateur et en même temps les raccorder à un variateur. Donc, il faut prévoir un système de basculement du branchement des panneaux photovoltaïques entre le régulateur et le variateur. Ouais. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que la tension des panneaux, le générateur photovoltaïque soit compatible avec le régulateur de charge
et soit compatible avec le contrôleur de la pompe. Et là, je maintenant qu'il y a un contrôleur de pompage ou un variateur de vitesse, un goulot qui brène à la tension, maintenant tu comptes les alentours de 400 volts, la tension photovoltaïque, alors que le régulateur de charge n'accepte que 150 volts au maximum. Ma combinaison, vous ne pouvez pas mettre les panneaux en série d'une façon à satisfaire les deux contraintes. C'est impossible. Mais qu'il y a des solutions, qu'il y a des onduleurs hybrides, des tensions, des régulateurs, des lignes qui sont très mais 150 volts. Bon, dans ce cas, c'est un compromis, même bien la tension exigée par le variateur de vitesse et la tension exigée par le régulateur intégré dans l'onduleur hybride. C'est possible de satisfaire les deux conditions, mais qu'il y a des solutions, à savoir qu'il faut switcher les panneaux entre régulateur et variateur manuellement ou d'une façon automatique avec un contacteur ou d'accord. Mais je serais bien branché les deux en même temps, c'est impossible. Vous ne pouvez pas brancher les mêmes panneaux dans deux appareils MPPT. Ni l'un ni l'autre ne va pas fonctionner. D'accord. Je n'ai la troisième solution. La troisième solution. Donc, il y a deux installations séparées. Il y a deux installations qui utilisent le même parc photovoltaïque, le même générateur photovoltaïque qui compte combien de binettes. Qu'il y a une troisième solution où il y a la sortie de l'onduleur. Au lieu de la brancher directement, au lieu de brancher la pompe directement avec la sortie de l'onduleur, vous pouvez brancher la pompe avec un variateur de vitesse. Le variateur de vitesse, il ne va pas être branché au module photovoltaïque, il va être branché à la sortie alternative de l'onduleur. Le variateur de vitesse en chauffe ou bien une entrée PV continue, une entrée alternative, il y a la raison. Il a la sortie de l'onduleur, branché sur l'entrée AC de la variateur, branché sur la pompe. Vous allez éliminer le problème de démarrage de la pompe. Le démarrage agressif de la pompe, vous allez l'éliminer. La solution, c'est aussi possible. Une installation surdimensionnée, une pompe de chevaux, et quand un module de 5 kW, bzef les batteries, 16 batteries, beaucoup de panneaux. Oui, donc une pompe d'huile de chevaux, mais un tel système a des petites diminuelles. Ou là, qu'il y a un système moyen, ou un petit système, ou quatre demo, mais une pompe, alors a des trucs, j'allais les montrer. J'espère que c'est clair. Et après l'explication, on va passer la composition d'huile, un système de pompage solaire. Un système de pompage solaire ou un système de pompage au fil du soleil. Je ne connais pas au fil du soleil. Ça veut dire que ça dépend de l'irradiation. Il y a qui ne chimchaïch, mais qui ne chimchmaïch. D'accord? Il suit le rayonnement solaire. Je ne connais pas qui confie le générateur photovoltaïque. Je ne connais pas un générateur photovoltaïque. Je ne connais pas le chiffre de la formation précédente. Panneau photovoltaïque. Mais chez les panneaux, le générateur, la définition de l'eau exacte, c'est un ensemble de chaînes mises en parallèle. D'accord? C'est un ensemble de chaînes photovoltaïques. Ou je n'ai une chaîne. Une chaîne, c'est une mise en série de panneaux photovoltaïques. Mais qu'est-ce qu'on a une chaîne ou plusieurs chaînes mises en parallèle? Qu'est-ce qu'on a un générateur photovoltaïque? D'accord? Donc, dans le générateur photovoltaïque, il se branche directement au contrôleur de la pompe, ou le contrôleur de la pompe, il se branche directement avec la pompe, et la pompe, bien sûr, va s'alimenter, le courant généré par le variateur, pour s'alimenter. Si vous avez accès au réseau, si vous avez accès au réseau, et vous pouvez le brancher également au contrôleur de la pompe. C'est possible.
La majorité des variateurs, nomme l'entrée réseau. D'accord? Elle est chez nomme l'entrée réseau. Okay? Pour deux raisons. Il peut basculer carrément. Il a ma kafiech l'énergie solaire. Il peut basculer sur le réseau. D'accord? Ok, des variateurs, ils font la compensation. Je mène à la compensation. Ça veut dire qu'ils tirent le maximum du courant au lieu d'énergie à partir du générateur photovoltaïque. Mais s'il y a un manque, s'il y a un manque de puissance, il peut compenser par le réseau. Donc, si il y a le réseau. Donc, les variateurs à compensation de puissance. L'option, mais qui n'a pas de variateurs. Qui n'a des variateurs clairs. D'accord? Ou déjà, il y a l'option un variateur qui contrôle les hashmziens, qui est des variateurs qui ont des problèmes. Une fois que vous raccordez le réseau qui ben ou d'autres types d'erreurs ou d'autres problèmes, ils n'arrivent pas très bien à gérer. Ou même le dimensionnement, le choix de la tension, dit le générateur photovoltaïque, qui a des conditions pour que ça fonctionne bien. D'accord? Donc, c'est une procédure léchouïa délicate, où il y a des conditions à satisfaire pour que ça marche bien. Et bien, il y a la compensation. Mais le basculement, la machine, une fois que la puissance du générateur photovoltaïque, Kafia, les variateurs font l'option, il bascule carrément sur le réseau. D'accord? Ok, bien sûr, la pompe. La pompe, les chauffeurs plus tard, probablement demain, rallyement. Les types de pompes Liquini, les pompes DC, les pompes brushless, les pompes AC, ferme asynchrone ou synchrone. D'accord? Donc, les types de pompes où je n'ai le contrôleur, les Kislachmer, McEndrew, un variateur de vitesse, ou un moduleur variateur de vitesse, mais il a quand la pompe AC. Par contre, il est une pompe brushless, c'est un contrôleur. Mais chez un variateur, même la forme de le signal d'IALO, elle est différente à le variateur. Ou il y a quand une pompe DC, une pompe DC pure, mais chez brushless DC. La pompe brushless sans DC. Avec une pompe DC pure avec deux bandes, mais chez triphasé. Dans ce cas-là, qui connaît un simple contrôleur, mais qui varie la vitesse, le tahaja. Donc, un simple contrôleur de mise en marche, mise en arrêt, qui branche soit directement avec les panneaux ou même avec les batteries. Les pompes DC pure, purement DC, qui connaît la puissance des lampes rien. Qui le système de pompage. Donc, il s'utilise dans les petits systèmes de pompage. Le courant d'IELHOM, il est faible, donc vous pouvez même les utiliser avec des batteries, ça ne pose pas de problème. Deux ans, et on fait un petit rappel. On fait un petit rappel. D'abord, on va voir les différents composants un par un. Le générateur photovoltaïque. Après, le variateur de vitesse. Après, le pompe et les groupes motopompes. Liquide Tamluf, l'irrigation. On fait un petit rappel sur le générateur photovoltaïque. On avait dit que trois technologies sont disponibles dans le marché, principalement le polycristallin et le monocristallin. D'accord? Le polycristallin a un rendement moyen. D'accord? Ken, le Maghreb, jusqu'à 2020, Ken, où est le plus utilisé? Au Maroc, c'était la technologie la plus utilisée. Mais de 2020 jusqu'à 2021, maintenant, on bascule progressivement vers le mono et le monopercle. On avait aussi parlé de monopercle. Aucune la technologie monocristalline a un rendement qui est meilleur, un prix qui est un petit peu élevé par rapport au polycristallin, mais ça permet d'économiser surtout la surface. D'accord? La technologie amorphe de Couchmens, donc
C'est une technologie qui n'est plus utilisée, elle a un rendement très faible. Donc, les années 90, 80, 90, oui. Mais à partir des années 2000, donc, on a basculé vers le polycristallin et le monocristallin. Polycristallin, qu'on voit l'ictir. Maintenant, on bascule vers le monocristallin, le monoperc. Qui est une autre technologie, on dit GIF, GIF-TREF, le marché mondial, le marché marocain. Malgré le monoperc, de qui permet aussi d'atteindre des puissances barres. Et il y a un meilleur rendement des puissances barres, des surfaces, les mécanismes que nous faisons la même puissance. Donc, le monocristallin a les caractéristiques thermiques plus robustes que le polycristallin. Il résiste un petit peu mieux l'élévation de la température que le polycristallin. Le procédé de fabrication, il est compliqué, donc le coût, il est élevé. Le polycristallin, le prix d'yellow attrayant et ça a encouragé beaucoup les installateurs à l'utiliser. Le prix, c'est toujours le problème le client. Parce que tu peux poser un panneau, ou qu'on performant, alors ça la performance, c'est le critère. Le client cherche la solution la moins chère. Donc, lorsque vous lui proposez un panneau, que vous lui avez le panneau radar 1000 dirhams, ou qu'il y a un panneau sain, mais non, il a les performances, il a 1300 dirhams, là, il va choisir le moins cher. C'est la règle générale. Il y a des exceptions, mais c'est la règle générale. Donc, le moins cher, c'est le marché. Elle est d'abord le mono, elle est d'abord le mono perc. علاش لو مونو بيرك ولا هو اللي طاغي على المارشي هو اللي غادي يطغى على المارشي ماشي حيت بيرفورمون ماشي حيت اون ريوسي ا كونفينكر لو كليون كو سي لا سوليسيون لا بلوز ادكوات نو باسكو لا سوليسيون اون سا جلوباليتي لو ديفي مي كتعطيه للكليون بازي سور المونو بيرك كيطيح رخص من البولي كريستال علاش؟ Le nombre de les modules plus minimisé que le polycristallin. Et tout simplement, les devis monopères qui comptent le nombre de panneaux, les devis du polycristal. Quand c'est un nombre moins de panneaux. Ou qui dit moins de panneaux, dit moins de coûts. C'est l'exemple d'une installation avec polycristallin, j'ai 22 panneaux avec monocristallin, 18. Donc, quand tu vois le coût global du devis, c'est moins cher, c'est plus bénéfique un acte du monoperc. Monsieur, Oui. le prix dit le mono perk. Oui. Non? شحال داير تقريبا Avec le environ. prix qu'il y a là-bas actuellement, qu'il y a là-bas actuellement, le monopole 410 watts, derrière 1410 dirhams. Ou le polycristallin 280 watts, derrière 580 dirhams. Hada 280 watts, hada 410. هادشي باش كيتباع البانو بوحدو Merci. دونك maintenant on va passer les principales caractéristiques des modules photovoltaïques. C'est à la fois un rappel, oui, on insiste sur un ensemble de caractéristiques. Moi, je ne chauffe pas le chien. Je ne fais pas le mal à l'effet, ce qu'on a dans le détail, les gars. Les caractéristiques des modules qui sont la plaque signalétique ou la fiche technique. D'abord, on va voir les qui sont surtout le dimensionnement des installations de pompage solaire. La première des choses, c'est la puissance crête. Donc, la puissance crête, qui est inscrite sur le panneau et ça indique
la puissance du panneau mesurée focage. La Conditions puissance, standards. les conditions standards. Les conditions standards, d'abord, comme donc, Hafdenon, qui est 1000 watts par mètre carré, la température de la cellule, 25 degrés, ou l'air masse, 1,5, ça veut dire un angle d'inclinaison de 42 degrés. Quand les caractéristiques. Le courant au point de fonctionnement maximal. C'est le courant au point de fonctionnement maximal. كنا دوينا على لا كور كاركتيرستيك ديال الموديل الفوتوفولتايك وقلنا بان هنايا هاد ليكستريميتي ديال لا كور هذا هو لو بوان دو فونكسيونمون ماكسيمال الى كاركتيريزي بار اون تونسيون في ام بي الى كاركتيريزي بار اون كورون اي ام بي داكور منين هما داو لي ميزور في لي كونديسيون ستاندار شنو لقاو لقاو بان هاد الكورون او بوان دو فونكسيونمون ماكسيمال الى ايكال 9,8 امبير où la tension au point de fonctionnement maximal il est égal à 41,84 volts. Ils ont mesuré en même temps le courant de court-circuit et la tension du circuit ouvert. Le courant de court-circuit, à chaque fois, c'est la 38 ampères. La tension du circuit ouvert, c'est la 77 volts. D'accord? 50,77 volts. Et les mesures qu'il très haut, les conditions standards. Maintenant, le courant de court-circuit, ça veut dire carrément que tout le module photovoltaïque, on relie le plus avec le moins et mesure le courant. On trouve le courant de court-circuit. La tension du circuit ouvert, ça veut dire qu'on laisse le panneau à vide, qui, ça veut dire qu'il n'est branché à aucune charge, et on mesure sa tension. Donc, sachez bien que dès que vous branchez le panneau avec une charge, alors la tension, elle chute. Et si vous commencez à l'utiliser en son point de fonctionnement maximal, vous allez être proche de la tension au point de fonctionnement maximal. Il y a 41,84 volts. Il y a les conditions standards. Les conditions réelles, il y a un peu moins. Mais la température, bien sûr, a des comptes plus élevés que les conditions standards. La même chose, le courant de court-circuit. Il a été mesuré sous les conditions standards, mais si vous le mesurez sous les conditions réelles, vous allez probablement trouver, ça dépend, la même chose, un petit peu moins, ça dépend de l'irradiation. Et c'est facile de trouver une bonne irradiation. L'irradiation, il est 15 000 watts par mètre carré, c'est la même chose. Le courant ne dépend pas de la température, il dépend de l'irradiation. Et c'est facile de trouver une irradiation qui dépasse même 1000 watts par mètre carré. Achno kain akhar. Kain le courant de retour toléré. Achno le courant de retour toléré, ou est-ce 20 ampères. Chi wahed yfekrna biha, achno katani. Lorsque les panneaux sont en parallèle. Pardon? On a l'ombrage. Lorsqu'on fait face à l'ombrage, et puis les panneaux sont en parallèle, le courant qui rentre au niveau des de, panneaux de décharge lorsqu'il est ombré, et puis le courant, et les autres panneaux délivrent le courant au panneau ombré. Exactement. Lorsque ça dépasse les 20. Oui. Lorsque ça dépasse les 20 ampères, on commence à endommager le panneau. Donc, lorsque vous avez des panneaux en parallèle et que l'un des panneaux est ombré, donc il va se comporter comme étant une charge. Les autres panneaux vont débiter du courant dans ce panneau, ils vont injecter du courant dans ce panneau. Si ça dépasse 20 ampères, il commence à être endommagé. La protection contre ce problème, c'est les fusibles. Les fusibles. Ce problème est. Peut se poser dès que vous avez trois chaînes ou plus. Mais avec deux chaînes ou une chaîne, il n'y aura jamais ce problème. Et bien, sur ce panneau, la température tolérée est entre moins 40 degrés Celsius jusqu'à plus 85 degrés Celsius. C'est donc la température de cellule. D'accord?
دونك ما كناش شفناها في الفيش تكنيك ديال داك الموديل اللي شفنا المره اللي فاتت. بون هنايا بور لا فورماسيون دو بومباج سولير انا جي شوازي دو ترافايي اونيكمون ou de me baser sur la marque Tesla Solar. C'est une bonne marque côté performance, côté garantie, rapport qualité-prix. Donc, d'après notre modeste expérience domaine, et on l'a utilisé depuis 2016, bon, fin 2016, 2017, من ديك الوقت جوسكا بريزون وحنا خدامين بلا مارك تسلا. خدمنا بدوطر مارك بيان سور، مي منين ما كتكونش لا ديسبونيبيليتي ديال تسلا، هذا هو اللي كاين. ما رابور كاليتي بري ولا غارونتي لي بيرفورمانس، دونك سي لا مارك كو نو بريفيرون. Aussi pour les variateurs, donc pour les variateurs de vitesse, les parties LGM, on va travailler avec la marque Vichy. On va se baser sur la marque Vichy. C'est la même chose. Donc, on avait mis même l'année faite que nous avons un sondage sur Facebook, un groupe qui fait bzaf des installateurs. Chez un des clients non avertis, des installateurs, on a une homme expérience même, et on avait voté c'est quoi le variateur de vitesse le plus performant ou le meilleur. Quel est le variateur de vitesse, le meilleur variateur de vitesse disponible au Maroc? Ou quand la marque Vichy, il est peut-être la première place. Et là, la même chose, la robustesse, le rapport qualité-prix. Service après-vente, la garantie, où il est stable. Mais fiche, peut-être les erreurs, peut-être les machakils. Donc, c'est un variateur de vitesse qui est stable. On a testé aussi d'autres variateurs de vitesse, mais on préfère travailler avec le Vichy. On travaille avec les autres marques, mais qu'est-ce qu'on a la disponibilité? Alors, où est-ce qu'il y a? Le courant de retour est dans l'allée. D'accord? Donc, d'abord, il y a le côté qu'on n'avait pas traité dans la formation précédente. On n'avait pas insisté sur ce point, alors qu'il est primordial dans le dimensionnement de toutes les installations, et notamment des installations de pompage solaire et les installations raccordées au réseau. Qui confirme de gros générateurs photovoltaïques, les font bzaf dial les panneaux en série, probablement bzaf dial les chaînes. D'accord? Donc l'association des modules photovoltaïques est essentielle, où il faut bien la maîtriser pour ne pas commettre des erreurs. Alors c'est quoi l'association de la mise, l'association des modules photovoltaïques? Qui est la liaison des modules photovoltaïques, soit en série, ou en parallèle, ou en parallèle série. D'accord? Donc, lors de la mise en série des panneaux photovoltaïques, nous allons dérouler le module photovoltaïque en série. Et nous allons jumeler plus, moins, plus, moins, plus, moins. D'accord? D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la tension équivalente? Quel est le courant équivalent? Le courant reste le même, les tensions s'additionnent. Exactement. Les tensions s'additionnent, le courant est le même courant qu'un seul module photovoltaïque, la puissance s'additionne aussi. Et il a 20 watts, 20 watts, 20 watts, vous aurez 60 watts comme puissance de sortie. Lors de la mise en parallèle des modules photovoltaïques, la mise en parallèle, je ne sais pas quoi faire. C'est l'inverse, la tension reste le même et les courants s'additionnent. Voilà, il y a maintenant deux modules photovoltaïques et qu'on les met en parallèle, la tension reste la même. Si vous avez maintenant un head, il donne 18 volts, donc la tension résultante, c'est de 18 volts. Ou si head, il donne 1 ampère ou head 1 ampère, ça veut dire que le courant résultant, c'est 2 ampères. Ou la même chose, les puissances s'additionnent. Ça veut dire qu'il y a un head maintenant de 80 watts. Il y a 80 watts, 80 watts, ça veut dire que vous aurez un générateur de 160 watts.
Maintenant, si vous avez maîtrisé les règles, je vous donne l'exercice. Calculez les caractéristiques de la chaîne suivante. Je n'ai pas les caractéristiques. Le courant ou les tensions. Vous me donnez la tension équivalente en circuit ouvert. Vous me donnez la tension équivalente en point de fonctionnement maximal, le courant équivalent en circuit en court-circuit et le courant équivalent en point de fonctionnement maximal, sachant qu'il s'agit d'un panneau de 410 watts, avec le panneau Tesla de 410 watts. T'as fait? Donc, prenez un bout de papier, un stylo, votre calculatrice, et vous faites le calcul pour combien de panneaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 panneaux. Ils sont liés comment? En série. En série. Carrément en série. Avec un moins ou un plus. Vous avez eu des résultats? Oui. Il y a la tension VCO de la Oui, chaîne. Et de attention. combien? 660,01. Et ce petit Herbert, il y a 13 fois 50,77. Oui. Voilà, au VMP. Le VCO, 600, 600. Boston. 660. 660,3. Non, 0,1. Ah. 0,01. Zéro un. Au VMP. 544 volts. 544, quelque chose. Et majoré 503,93. 503, 82. 82. Non, 543. Tout court. Non, c'est 92. 92, d'accord. ICC? Ça reste le même, 10,38. Le même. IMP? La même chose, 9,80. D'accord. Voilà. Je vais vous poser, on va faire d'abord des remarques et puis je vais vous poser une question et j'espère que j'aurai la réponse. Déjà, vous remarquez une grande différence entre VCO et VMP. Le VCO, ça représente quoi, d'après vous? Expérimentalement, qu'est-ce que ça représente? La tension en circuit ouvert. Ça veut dire que c'est la tension lorsque les panneaux ne sont branchés à rien. On ne les exploite pas. On est d'accord? Oui. D'accord. Deuxième remarque. Il s'agit d'une grande valeur de tension en DC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est fatale. Si vous touchez deux câbles plus et moins de cette chaîne, soyez sûr que votre cœur va s'arrêter instantanément.
si vous ne portez pas des gants de travaux sous tension. D'accord? C'est très, très risqué de manipuler de tels. C'est très risqué de manipuler de telles tensions sans protection. D'accord. Deuxième remarque, c'est que la tension VMP est de 543, alors qu'il y a presque une différence de 100, 120 volts entre les deux. Cette tension va apparaître ou elle va être utilisée à quel moment? En charge. En Et charge. entre les deux, Mais avec une recharge, avec n'importe quelle charge ou un type spécial de charge. des charges spéciales. De quel type? Ou là, qui inclut quelle option? Qui Les intègre? conditions standard. Non, waha. Condition standard, laisse-la à part pour une seconde. Mais je parle d'autre chose, une option, pas des conditions ou des circonstances. Quand est-ce qu'on utilise le panneau avec son VMP et son IMP? Lorsqu'on a l'ondulaire MPPT, non? Lorsqu'on a un onduleur ou un appareil MPPT. Uniquement lorsque nous avons un appareil MPPT. Parce que c'est lui qui va chercher à faire fonctionner le module ou le générateur photovoltaïque en ce point de fonctionnement maximal. Oulakim, réellement, on ne va pas obtenir les valeurs parce que les valeurs ont été mesurées sous les conditions standards, qui sont difficiles à satisfaire la réalité, mais quand même, on aura des valeurs qui sont proches de ça. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Bon, si vous n'avez pas de questions, on va passer à un autre exercice. On vous demande de calculer les caractéristiques du générateur suivant. Il s'agit de trois panneaux de 280 watts Tesla, polycristallin. Comment vous pouvez conclure qu'il s'agit de panneaux polycristallins sans que je vous l'indique, sans que je l'écris? Je n'ai Parce pas que la forme des indiqué. cellules. Voilà, l'aspect des cellules. Les cellules sont en bleu, ils sont carrés, il n'y a pas de vide entre les cellules. Trois remarques qui peuvent vous indiquer qu'il s'agit de panneaux polycristallins. D'accord? Je les ai liés en parallèle, KM ligne, et j'ai obtenu un plus et un moins. D'après vous, pourquoi je n'ai pas dessiné le schéma tout simplement comme ça? Pourquoi je n'ai pas dessiné le schéma sous cette forme? Je vous demande de mesurer ici la tension et le courant. Pour des raisons de sécurité. Pardon? Pour des raisons de sécurité. Quelle raison de sécurité? Qu'est-ce que ça représente, Hadley? Les petits rectangles que j'ai mis en gris d'après vous. Des Des fusibles. fusibles. D'accord. Pourquoi j'ai mis des fusibles? Six fusibles, ça veut dire un pour chaque borne de photovoltaïque. Pourquoi? Trois chaînes, parce qu'on a trois chaînes, je crois. Voilà, pour vous habituer à ce que vous vérifiez que s'il s'agit de trois chaînes ou plus, il ne faut jamais mettre en parallèle de cette façon. Il faut toujours se mettre en tête que c'est obligatoire d'avoir des fusibles de protection, puis vous pouvez les rassembler un répartiteur. D'accord? Maintenant, on va voir les caractéristiques techniques de ce module photovoltaïque, la fiche technique d'IOLO. Je vais vous demander de les prendre en note. Oui, bon, le schéma il est clair, on va passer. Donc, je vais vous indiquer les caractéristiques techniques d'IOLO. Donc, il s'agit d'un panneau de la marque Tesla, polycristallin. On a choisi de travailler avec le module 1 m²
Parce qu'il y a dans la même série, il y a des modules de 275 jusqu'à 295. Mais ce qui est disponible dans le marché maintenant, c'est le 280. Donc la puissance crête d'IADI, la tension en circuit ouvert, le courant de court-circuit, la tension VMP, le courant IMP, le rendement. Bon, ils indiquent que les mesures ont été prises les conditions standards. D'accord? Ou les autres mesures, elles ont été prises sous les conditions mortes. On va parler des conditions mortes après la résolution de l'exercice. Donc, je vous demande de calculer les tensions et le courant pour la mise en parallèle. D'accord? Avec Hedley-Bernay-Hedley. 5 minutes et vous me donnez le résultat que vous avez obtenu. Avant de corriger, j'ai oublié une chose. On n'a pas calculé la puissance équivalente. Quelle est la puissance équivalente pour ce générateur? Pour cette chaîne? On fait la somme des trois, la somme des puissances des trois. Bon, la puissance équivalente sera égale à combien en équation? Ça fait 280. Là, 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 410. Fois 13. 13 fois 4,8. Il y a la puissance équivalente. 5,33 kilowatts. 5,33 kilowatts. 5,33 kilowatts. Waouh. Hnaya d'abord, je calcule le VCO. Combien? Pour le couplage parallèle, Oui. Ah, vous prenez le parallèle. 38,47. C'est 38,47. Ça reste la même chose. Alors, si vous avez multiplié par 3, Oui. ça veut dire que vous n'avez pas compris que pour la mise en parallèle, la tension reste la même. Pour Oui, le mais le VMP, courant qui c'est la augmente. même chose. Non. C'est le courant qui augmente. Voilà. 31,64. ICC. C'est 28,23. 28,23 ampères. IMP. Vingt-six 26,49. virgule 55. On va d'abord traiter les valeurs. La puissance équivalente 840. 840 qui est égale à 3 fois 280 watts. Une autre question, c'est un petit peu difficile pour vous de faire la différence. Quand est-ce qu'on utilise les panneaux en parallèle?
Beaucoup de panneaux en parallèle. Et quand est-ce qu'on utilise beaucoup de panneaux en série? C'est-à-dire dans quel type d'installation on préfère le série et dans quel autre type d'installation on préfère le parallèle? Ou là, on utilise le parallèle. Bon, je vous donne la réponse. Les installations off-grid, les installations avec stockage, ce que nous avons fait la semaine dernière, on utilise beaucoup la mise en parallèle. Pourquoi? Parce que la tension des panneaux doit être un petit peu proche de la tension des batteries. On ne peut pas trop s'éloigner de la tension des batteries. D'accord? Alors que les installations de pompage, au lieu de les installations raccordées au réseau, nous devons débattre le pompage, puisqu'on est dans une formation sur le pompage, la tension de la pompe, par exemple, est de 380 volts. Donc, on a intérêt à ce que le panneau, la tension de l'homme, continue à proche de la tension via la pompe, mais chez une tension de les batteries. D'accord? C'est pour cela qu'on a intérêt à mettre beaucoup de panneaux en série, alors que les installations off-grid, on a intérêt à mettre beaucoup de panneaux en parallèle. Peu de panneaux en série. Bon, maintenant, je vous donne les caractéristiques d'un autre module, un autre panneau photovoltaïque de la même marque. La même marque. Et la puissance de 325 watts. Pourquoi je vous donne les trois puissances? On a parlé de la puissance 410, la puissance 280, la puissance 325. Et donc, les trois puissances les plus utilisées sur le marché, Marc. Les plus utilisées. D'accord? Donc, lorsque vous allez, lorsque vous allez dimensionner, lorsque vous allez partir acheter des panneaux, lorsque vous voulez vendre des panneaux, ce qui est familier dans le marché marocain, on met les trois puissances. Le plus utilisé maintenant, le 400, l'ITB 280, le moins utilisé, Watt 300, 320, 325. Donc, NAG, je vous ai donné l'exemple d'un panneau 325 watts, monopercle, machine polycristalline, machine monocristalline, monopercle, et on a fait une présentation sur le monopercle, la formation précédente. Bon, avec la présentation, là, elle est disponible sur YouTube, sur la chaîne d'Ilianta, qui est une vidéo sur le monopercle. Vous pouvez la consulter à tout moment. Bon, les caractéristiques du monopercle. Le VCO 40,47, vous le notez. Le courant de court-circuit 10,26. La tension au point de fonctionnement maximal 33,4. Le courant au point de fonctionnement maximal 9,73, le rendement 19,56. Alors, l'exercice qui vous les compte, calculez les caractéristiques de la chaîne suivante. Avec l'exercice 3. Les panneaux qui sont d'une grande taille, normalement, elles différentes. 2 mètres fois 1 mètre, les dimensions. Vous avez dit 325 fois 1,65 mètres fois 1 mètre. Et tu as 60 cellules. Vous avez dit minus 20 cellules. Équivalent à 144 demi-cellules, parce que les cellules sont divisées en deux. Tafkin, est-ce que c'est clair? Je dis les dimensions, le nombre de cellules, il n'y a pas d'ambiguïté. Les panneaux 60 cellules qui confirment 1 mètre, ils s'obstinent à 1 mètre. Les panneaux 62 cellules qui confirment 2 mètres, elles sont à 1 mètre. Quelle est la différence de la cellule qui sont à l'heure, la cellule qui sont à sur deux? On a les monopodes half-cut split. Qu'est-ce qu'on fait en 144 demi-cellules? D'accord? Ce qui est disponible dans le marché. Donc, pour que vous ayez le langage ou le vocabulaire, le commercial.
Le grand taille ont une puissance de 410 watts, les petites tailles ont une puissance de 325 watts. Ce sont des monopères half-cut split, ce sont des monopères tout court. Calculer les caractéristiques tension et courant de ce générateur photovoltaïque. Alors, ils sont tous mis en série. Kamlihom. Kulhom mis en série. Monsieur, Oui. je me réécoute, j'ai un mouchkil waha des puissances différentes à l'anandirohum en série. وديري لي الحساب عاد نقول لك واش كاين المشكل ولا ما كاينش. Monsieur, s'il Oui. vous plaît, on peut revoir les tableaux de la fiche technique de... Celui-là. Oui. Quelqu'un a une solution? Monsieur, Oui. les deux panneaux sont différents ou il se sert à dire moi je suis bhal bhal. Oui, ماشي بحال. Et même les courants leur Waha, chouf, on fait la résolution ensemble. On calcule d'abord la tension. On a dit que lors de la mise en série de modules photovoltaïques, la tension s'additionne. Ça veut dire que le VCO est sigma des VCO. Ça veut dire qu'il va s'agir de 4 fois. Quel est le 50 là, VCE pour le c'est pour le 410? monoparc, c'est 50,77. 70. 17. 77. Plus 3 fois.
30,45. 44. 44 ou 47? 47, 47. Oui, 47. Mmh. 324,49. J'ai tenu bien la chouille, là. 300, c'est pas 800, 300. 300. 24,49. Volt. VMP, c'est la même chose. C'est sigma de VMP. Donc, c'est 4 fois. Plus 3 fois. 33,40. Oui. 267,55. 267,55 volts. Bon, c'est résolu. Maintenant, les courants. ICC égale 1000 de l'ICC. 10,26. Je vérifie. 10,26. OK. L'IMP, voilà le mille de l'IMP. 9,73. Okay. Alors que l'ICC de L410, ICC de L410, roi 10,38. Voilà, donc on a 10,26, mais chez 10,38. Ça veut dire quoi? Lorsque vous mettez des panneaux en série, c'est le courant le moins fort qui s'impose. Il y a un panneau de 280 watts. Et non, faites la position. Je fais le courant de court-circuit de 9,41. Ça veut dire que la chaîne KM, là, à tous les ratés, 9,41. C'est le courant le plus faible qui s'impose. La règle est claire. D'accord. Alors, on parle de deux choses, on a oublié de les traiter. D'abord, votre collègue m'a posé la question. Est-ce que ça pose un problème de mélanger les modules photovoltaïques comme ça? Ça ne pose aucun problème. La mise en série comme ça ne pose aucun problème. D'accord? Donc, si vous êtes obligé, yani, un client, le chrétien a des panneaux, le chrétien a déjà des panneaux, il a déjà des panneaux de 325 watts, il vous dit de augmenter-moi la puissance de mon installation photovoltaïque. Vous avez cherché sur le marché, vous n'avez pas trouvé de panneaux 325, vous avez trouvé uniquement des panneaux de 410. Est-ce que vous pouvez compléter avec des panneaux de 410? Oui, c'est possible. Walakin, vous allez être limité par le courant des les panneaux 325. D'accord? Ça veut dire que le 410, vous n'avez pas l'exploité pleinement. Vous serez limité au courant, le courant le plus faible. La tension, oui, il va rester d'une grande valeur pour ce panneau, mais son courant va diminuer. Et ça ne posera pas de problème technique. Deuxième chose, nous n'avons pas parlé des conditions Noct. Est-ce que les conditions Noct? Les conditions Noct, ce sont des mesures qui ont été prises à une irradiation de 800 watts par mètre carré, 20 degrés Celsius, température ambiante, mais chez deux cellules, température de l'air, ça veut dire que la température des cellules, rakbira, raf les alentours de 40-45 degrés. Ou Hermas 1,5, une inclinaison de 42 degrés. Et les conditions Noct, ils sont très proches de la réalité. Ils sont très proches de la réalité. Ça veut dire qu'un panneau photovoltaïque avec de 325 watts, si vous l'installez par exemple au Maroc et que vous mesurez la puissance qu'il est en train de délivrer,
il va vous délivrer cette puissance. Les alentours de la puissance. D'accord? Mais chez les dédés, les conditions standards, vous n'allez jamais les atteindre en réalité. Vous allez être borné par les conditions météorologiques, surtout, surtout la température. Donc, vous allez avoir une puissance d'aller les alentours. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous La température est réaliste. Mais les radiations sont très élevées, 800 watts par mètre carré. Généralement, il y a plus. Surtout dans le Maghreb. D'accord? Il y a des soirées, oui, mais il y a beaucoup plus. Exercice 4. Calculer les caractéristiques des générateurs suivants. Il y a un panneau de 410 watts ou il y a un panneau de 325 watts. Mise en parallèle. Je y a le VCO, le VMP ou l'ICC ou l'IMP, le générateur équivalent. Voilà, je vous propose de commencer avec les courants. Commencez avec les courants et laissez les tensions en deuxième lieu. واخا نشوفوا الاي سي سي شحال غادي يكون 20.64 اللي هي كي درتي زعما حسبتيها بلاصون ديال اي سي ديال البانو 410 اي سي سي 1 بلس اي سي سي 2 داكور والاي ام بي هي لا ميم شوز اي ام بي 1 بلس اي ام بي 2 واخا الفي سي او Je pense qu'on va prendre le maximum. Comment vous l'avez calculé, Ibrahim? J'ai pris le maximum. Oh, ça ne marche pas comme ça. Non, comme au niveau du courant, on a suggéré faire les courants les moins forts. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Pour le courant, oui. Pour le courant, c'est le minimum qui règne. Pour la tension, ce n'est pas le maximum qui règne. On va faire le calcul ensemble. Permettez-moi de noter le VCO d'Elheda. On va travailler surtout avec le VCO. VMP, c'est le même calcul. Le VCO, c'est combien pour celui-là? 50,64.
77. 50,77. Voilà, 50,77. Ou le VCO au lieu de Hada 40,47. D'abord, on va calculer. On va calculer. Ça ne peut pas être. Il a gagné le mot scientifiquement. Si on veut faire le calcul correct scientifiquement, on ne peut pas raisonner avec VCO. On peut raisonner avec VMP. Je vais vous expliquer pourquoi. VMP, c'est combien? 41,8. Mais je suis moi, 41. On a le VMP. 33,40. 33. Je vais 41. D'accord. Donc maintenant, le IMP équivalent. Quel est le IMP équivalent des deux panneaux? Combien vous avez trouvé? 19,53. Pour les deux panneaux. Pour les deux panneaux. 19. Donc 19 ampères. IMP. D'accord. Donc lorsque les deux panneaux fonctionnent en leur point de fonctionnement maximal, branchés avec une charge donnée, ils vont délivrer IMP ou ils vont délivrer la tension. Ils vont délivrer la tension VMP équivalent. X. On ne la connaît pas. La loi d'Ohm. La loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il vous dit? V égale à la charge. U est égal à R. D'accord. La tension égale à la résistance fois le courant. Le courant en là. Là où est le courant équivalent? Il est connu. On ne connaît pas la résistance et on ne connaît pas la tension. La tension, c'est ce qu'on cherche. Il faut maintenant calculer la résistance. Alors, la résistance de ce panneau-là est égale à 100 VMP sur 100 IMP, tout simplement. Ou R2, ou à ce moment, VMP1 sur IMP1. Et R2 égale à VMP2 sur IMP2. D'accord. Donc, R1, est-ce que quelqu'un peut nous faire le calcul en ohm? Ça vous donne combien? Donc, c'est le panneau 410 watts. 4,26. Pardon? 4,26. 4,26 ohms. Voilà. Ça reste à être vérifié par les autres pour éviter une erreur. Donc, R2 est bien. Quelle est la résistance équivalente de deux panneaux en série? Au lieu de deux résistances parallèle. Au lieu de deux panneaux en parallèle. R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que R équivalent est égal à combien? R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et vous faites le calcul? 1,9. 1,9 ohm. On revient à l'équation. U, la tension V, UMP équivalente, est égal à sur R équivalent fois le I équivalent, le 19 ampères. Ça donne combien? 37,10. Il y a le VMP équivalent. Il y a 41, il y a 33. C'est une tension qui est toujours entre ces deux valeurs. Lorsque vous mettez en parallèle deux panneaux et qu'ils ont deux tensions équivalentes, un panneau c'est un générateur de courant. Lorsque vous mettez en parallèle deux panneaux et qu'ils ont deux tensions différentes, la tension résultante c'est toujours une tension limitée entre les deux tensions des deux panneaux. C'est-à-dire qu'il appartient à l'intervalle U1, U2.
Si vous voulez faire le calcul, c'est bon, vous le faites avec elle de la façon. Sinon, mettez en tête qu'elle sera dans cet intervalle. D'accord. Maintenant, on va se poser la question qui a été posée par votre collègue tout à l'heure. Est-ce que c'est bien de mettre des panneaux différents en parallèle, d'après vous? Est-ce que ça pose pas problème d'utiliser des panneaux différents, mais en parallèle cette fois, machine en série? Oui, ça pose un problème. OK. Quel est le problème posé? Bon, je vais vous aider un peu. Le panneau, il a une tension plus faible que le panneau. Rappelez-vous de la première séance. On avait parlé que la tension, c'est la pression. Et on avait fait l'analogie avec la pression qui pousse les charges à se mouvoir. Ça veut dire que Heda, il est en train de pousser les électrons avec une tension de 33 volts. Heda, il est en train de pousser les électrons avec une tension de 41 volts. Ça veut dire que celui-là va vaincre. C'est-à-dire il va commencer à injecter du courant dans celui-là. Celui-là, il va se comporter partiellement comme étant une charge. C'est un générateur, oui. Il va générer du courant. Mais en même temps, il est en train de consommer du courant généré par le grand panneau. Donc, le panneau serait malheureux, c'est-à-dire que là, ça. Il va se détériorer, il va être endommagé parce que il se comporte comme étant une charge pour ce panneau qui est plus grand que lui. D'accord? Donc, c'est déconseillé d'utiliser des panneaux en parallèle qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, surtout la tension. S'ils sont différents de courant, mais chez Mouchkil, il faut qu'ils ont la même tension ou presque la même tension, à virgule près. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Deuxième. D'abord, si vous n'avez pas de questions concernant cette partie, j'espère que la partie que j'ai rajoutée, elle est comme complément à ce que nous avons vu sur le module photovoltaïque, la formation précédente, Zama était bénéfique pour vous. Mais je crois que nous avons vu la mise en série, la mise en parallèle des cellules, on l'avait vu, ou les Kinmeshi avec les détails qu'on a vu pour les modules photovoltaïques, on n'avait pas traité gars les cas possibles. Donc maintenant, on va passer l'onduleur variateur de vitesse. Là, j'ai le schéma, le pompage solaire. Donc, je ne qui est le module photovoltaïque, le générateur photovoltaïque. On l'a traité. Et même s'il y a d'autres informations à être ajoutées, on va les voir dans d'autres parties de la formation. On va quand même donner des indications et des remarques concernant le générateur photovoltaïque et des recommandations à respecter. On va maintenant passer le contrôleur de pompe, le variateur de vitesse. D'accord? Et on va voir un petit peu de détails sur cet appareil qui fait intermédiaire entre le générateur photovoltaïque et la pompe. Bon, la fonction principale de l'onduleur variateur de vitesse est de transformer le courant continu en courant alternatif. Parce que le module photovoltaïque génère un courant qui est continu, alors que la pompe
اللي غادي نركزوا عليها في هذه لا فورماسيون، لا بومب سور لاكيل نو زالون نو كونسونتري بور سيت فورماسيون، سي اون بومب اسي، اون بومب كي اي الترناتيف. داكور، سوا مونو فاز ولا تري فاز ما كيهمناش بور لانستون، ولكن اي فونكسيون افيك ان كورون، ان كورون الترناتيف. دونك il nous faut هاد la fonction ondulation, la conversion du courant continu en courant alternatif. Donc c'est la première fonctionnalité qui est assurée par le contrôleur de pompe, ou ce qu'on appelle le variateur de vitesse. Deuxième fonctionnalité de l'onduleur variateur de vitesse, les fonctions de l'eau, il y a comme étant un appareil. Le rôle de l'eau, on va les voir diapoliger. Mais donc, pourquoi on a besoin d'un onduleur de vitesse? D'abord. Le deuxième rôle de l'eau, c'est qu'il peut fonctionner une plage de tension, mais chez une tension fixe. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire de lui fournir une tension continue fixe pour qu'il fonctionne. Il fonctionne une plage de tension avec une tension minimale, une minimale jusqu'à une maximale. Par exemple, une minimale, ce qui va être 250 volts, une maximale, ce qui va être 700 ou 800 volts, par exemple. Et l'intervalle KML, donc le variateur de vitesse, il peut fonctionner si vous le branchez avec un générateur photovoltaïque qui appartient à l'intervalle. Elle dit la deuxième fonctionnalité. Sinon, je vous pose la question, sinon, si j'achète un variateur de vitesse sur lequel on a indiqué qu'il faut le brancher avec 500 volts DC, uniquement avec 500 volts DC, selon vous, est-ce que ça va fonctionner avec des panneaux photovoltaïques? Est-ce que ça peut fonctionner avec des panneaux photovoltaïques? Non, monsieur. Pourquoi? Faites l'attention. Normalement, qu'est-ce qu'on précise normalement? Il se varie. Elle varie en fonction de quoi? Les radiations, normalement. La quantité des ondes sortir. De la température. La température. La tension est à la cap la température. La tension est à la cap la température. Le courant est à la cap les radiations. D'accord. Donc c'est vrai. Les radiations seront la tension les délivrées par le générateur à terre. Les radiations perdent la tension à plat. Ça veut dire qu'on ne peut jamais assurer 500 volts fixe. C'est obligatoire que le variateur de vitesse solaire soit opérationnel dans un intervalle de tension. D'accord? Troisième fonctionnalité. On a un le courant. Wesh le courant généré par les panneaux photovoltaïques? T'as dit qu'on fixe, t'as quoi? Et maintenant, le variateur, il a besoin de, par exemple, de 30 ampères pour fonctionner la pompe à pleine puissance. Wesh, les panneaux photovoltaïques vont pouvoir produire 30 ampères en permanence? Non, non. Ça dépend de l'irradiation. Et oui, là où il est, la pompage. On ne pourra jamais assurer le fonctionnement continu dans le temps lisse et stable si le variateur s'arrête dès que le courant chute en dessous de 30 ampères. Ça n'a aucun sens. C'est une utilisation pénible. Donc, le variateur de vitesse, qu'est-ce qu'il fait? C'est une fonctionnalité très essentielle du variateur de vitesse. Normalement, avec la pompe raccordée avec le variateur de vitesse, elle fonctionne à pleine puissance lorsque vous lui fournissez une fréquence de 50 Hz. Lorsque vous offrez une fréquence de 50 Hz à la pompe,
telle fonction à pleine puissance, à plein régime. Allez, je n'ai pas de la pompe assez. Elle a été faite pour fonctionner avec le courant domestique, le courant les naftar, trisets, triphase. D'accord? 50 Hz. Donc, hier, elle fonctionne normalement à 50 Hz. Mais les kinilats, il y a une fréquence qui est de 50 Hz, maintenant 40 Hz. Qu'est-ce qui va se passer? Nous l'idée d'une chouille génie électrique ou d'un fait DTP ou un cours de génie électrique, le moteur. Qu'est-ce qui se passe pour un moteur qui est alimenté avec un courant qui a une fréquence plus faible que sa fréquence nominale? Il va s'emballer. Il va s'emballer. Là, l'axe. Il va tourner à une vitesse moyenne. Voilà, il va fonctionner normalement, mais avec une vitesse plus faible que sa vitesse nominale. S'il est supposé, par exemple, à 50 Hz, tourner à 2000 tours minute, à 40 Hz, il va tourner à 1800 tours minute. Par exemple. À 30 Hz, il va tourner à 1500 tours minute. D'accord? Donc, la fréquence, elle a une influence ou un impact direct sur la vitesse de rotation du moteur. Ça veut dire que si on varie la fréquence, on varie la vitesse de rotation de la pompe. La pompe n'a pas de problème. Même si vous faites chuter la fréquence avec laquelle elle fonctionne, il va continuer à fonctionner, mais il va tourner avec une vitesse plus faible. C'est un moteur. Un clic d'or ou un clic d'or ou jet. Mais un douche mouchki. Le moteur maintenant de l'ascenseur. Le moteur de l'ascenseur. Lorsque vous montez à l'ascenseur, est-ce qu'il démarre à pleine vitesse? Et il s'emballe, non? Il va démarrer progressivement jusqu'à atteindre sa vitesse maximale. Et même si lorsqu'il veut s'arrêter, il va diminuer sa vitesse progressivement jusqu'à l'arrêt. D'accord? Comment on varie la vitesse d'un moteur triphasé d'ascenseur? C'est en variant la fréquence, tout simplement. La même chose, mais c'est une pompe. Pourquoi la fonctionnalité la variation de fréquence est essentielle pour le pompage solaire, d'après vous? C'est essentiel, c'est primordial d'avoir une variation de fréquence pour un système de pompage solaire. Car lorsqu'on varie la fréquence, la vitesse varie aussi. Oui, ولكن هي غنقول لك واحد القضيه غير باش نعاونكم تلقاو لا ريبونس راه لو فارياتور دو فيتيس كيدير هذه القضيه اوتوماتيكمون دونك il est en cours de fonctionnement à un certain moment il se peut qu'il va baisser la fréquence d'accord jusqu'à un certain moment il va essayer de l'élever encore plus pour atteindre 50 Hz ولكن هذه la baisse de fréquence elle est due à quoi? Pourquoi elle est obligée, le variateur de vitesse, pourquoi il est obligé de baisser la fréquence parfois? Les panneaux peuvent être parfois, mais on a la puissance, les binaires, etc. On a un peu de temps. Il y a la raison, les modules photovoltaïques ne sont pas capables de fournir une puissance optimal, stable, durant toute la journée. C'est impossible. Donc, le variateur de vitesse, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous lui donnez la puissance nominale exigée par la pompe, il va la faire tourner à 50 Hz. On m'a dit que la puissance la fréquence. Donc, chez les gens, il va être là. Il a la puissance délivrée par le champ photovoltaïque n'est pas suffisante pour faire tourner la pompe à sa vitesse nominale, il va baisser la fréquence. En baissant la fréquence, il est en train de baisser la puissance délivrée à la pompe. Tout simplement. Donc la pompe va continuer à fonctionner, mais avec une vitesse qui est plus faible. Et puisqu'on parle de pompe, si on baisse la vitesse, ça veut dire qu'on baisse le débit. Le débit, là, on est en train de baisser le débit. La pompe, maintenant un débit de 600 litres par minute, on a baissé la fréquence sur les 300 litres par minute. Mais quand même, elle a continué de fonctionner.
Elle ne s'est pas arrêtée. C'est essentiel. C'est important. Il vaut mieux de continuer à la faire tourner avec une fréquence plus faible que de l'arrêter carrément. D'accord? Donc, il y a la troisième fonctionnalité principale d'un variateur de vitesse, solaire. Alors, je fais le rôle du variateur de vitesse. Lorsqu'on l'utilise dans un système de pompage solaire, quels sont les rôles desquels le variateur de vitesse est responsable de les assurer? L'ULM, l'accélération contrôlée. L'accélération progressive. La pompe, lorsqu'elle veut démarrer, on a dit qu'elle exige un courant très fort au démarrage et puis il va basculer vers le régime stationnaire. Le rôle du variateur de vitesse, c'est d'éliminer de la partie. C'est-à-dire qu'il va démarrer la pompe progressivement. Voilà, le schéma déjà, qu'il veut de la vitesse et de le temps. Il va démarrer la pompe progressivement jusqu'à atteindre sa vitesse maximum. Et là, je les pompes là, sans variateur. Parce qu'on essaie de démarrer la pompe à pleine vitesse dès le début. Même le démarrage, comme on à pleine vitesse. C'est pour cela qu'il exige un courant très fort. Alors que le variateur de vitesse, là, qui est d'abord à 0 Hz, le carré du temps, là, c'est 50 Hz. Le moment où vous lui dites d'arrêter, il va l'arrêter progressivement. Il va baisser sa fréquence de 50 Hz jusqu'à 0 Hz progressivement. Comme ça, il va éviter les appels de courant très forts lors du démarrage. Et lors de l'arrêt, pourquoi nous avons besoin d'une décélération progressive? Pour éviter avec le choc mécanique de la pompe. L'ennemi, qu'est-ce qu'on a? Qu'une pompe d'un et vous coupez le courant, carrément. La pompe au sein du puits, elle subit un choc. Donc, il y a un choc mécanique violent qui risque de endommager surtout la canalisation. Qu'est-ce qu'on le bombe chez nous avec le cadus de polyéthylène ou la corde qui est donc avec le choc, il risque d'endommager avec le gars avec la canalisation. اللي كتزدح البومبه بجد سورتو راه خصكم تعرفوا هنا ملي كنهضروا على بومبه ديال 15 شوفو او بلوس راه بومبه كيهزوها 4 الناس راه ثقيله باش كتحبس عليها لوسك فوزاري تي لو كورون بروغريسيفمون اي كو لا بومبي لي لورد هذاك لو شوك اي فيولون داكوغ اي سو بو كو لا كاناليزاسيون لاش اي كو لا بومب طومب دون لو بوي دونك سي بور سولا كيل اريت لا بومب بروغريسيفمون بور ايفيتي تو شوك ميكانيك La décélération contrôlée. D'accord? La variation et la régulation de vitesse. Si la puissance photovoltaïque est assez importante, suffisante pour faire tourner la pompe à 50 Hz, c'est bon. On la fait tourner à 50 Hz. Mais s'il y a des nuages, on va baisser la fréquence. Si l'ensoleillement reprend, on reprend jusqu'à atteindre 50 Hz. S'il y a des nuages, du brouillard, on va baisser la fréquence. Vers l'après-midi, on va baisser progressivement la fréquence jusqu'à atteindre la fréquence minimale tolérée par la pompe et on va arrêter. D'accord? Donc la fréquence au cours de la journée, elle varie en fonction de l'irradiation. De la puissance, mais chérie, l'irradiation, la température et l'irradiation. Donc, il varie en fonction de la puissance et c'est le rôle du variateur de vitesse d'adapter la fréquence en fonction de la puissance disponible. L'inversion du sens de marche, ça peut être. Bon, le pompage aide la fonctionnalité, mais il a d'ailleurs le sens inverse, il ne va pas pomper de l'eau. Mais des applications industrielles, le variateur de vitesse peut être utilisé pour inverser le sens du moteur. Le freinage d'arrêt. Les applications industrielles, on peut utiliser le variateur de vitesse pour freiner le moteur. واش فهمتوا شنو هي فريني لو موتور؟ راه لو موتور الا قطعتي عليه لو كورون، سي فو كوبي لو كورون داليمونتاسيون دو موتور،
S'il entraîne maintenant une charge qui lui donne de l'inertie, alors il va continuer à tourner un certain temps puis s'arrêter progressivement. Vous êtes en train de conduire une bicyclette. Vous êtes en train de pédaler. Lorsque vous arrêtez de pédaler, est-ce que la bicyclette va s'arrêter instantanément? Non. Elle va continuer, elle va s'arrêter progressivement. La même chose pour les moteurs. Donc, on peut freiner le moteur avec le variateur de vitesse. D'accord? Il va essayer de le faire tourner dans le sens inverse avec une puissance minime pour le freiner progressivement. D'accord? C'est comme ça qu'on freine un moteur. Un moteur triphasé asynchrone. Donc, on peut le faire par le variateur de vitesse. Le pompage solaire est chimique qui t'estime. Les applications industrielles qui t'estiment. Probablement, un convoyeur, mais ça fait deux moteurs, vous êtes en train d'utiliser un variateur de vitesse qui alimente les moteurs. Il se peut que vous avez besoin d'arrêter, de freiner les deux moteurs en cas d'urgence ou là, je ne sais pas quoi, en cas d'arrêt de production, de freiner les moteurs brusquement. Donc, la fonctionnalité peut être assurée par le variateur de vitesse. Alors, maintenant, on va passer le branchement du variateur solaire. Le branchement du variateur solaire. Comment on le branche? Lorsque vous allez ouvrir un variateur de vitesse, vous allez trouver plusieurs bornes de branchement. Qui est dans la partie puissance, d'accord? Ou qui est dans la partie commande. La partie puissance, il y a quelque chose d'autre. Faire plus, faire moins, faire PB. Faire F, S, T, faire U, V, W, ou faire Red, la borne de la Terre. D'accord? On a dit la partie puissance d'un variateur solaire. On va voir quelle est la signification de chaque borne. Donc, lorsqu'on veut brancher le variateur solaire, bien sûr, dans une installation, quelle est l'utilité d'elle? Chacune de ces bornes. Le plus et moins. Romain, les bornes de branchement de l'entrée d'alimentation photovoltaïque DC. Ça veut dire, c'est là, c'est ici qu'on branche le générateur photovoltaïque. Il s'agit d'une chaîne ou de plusieurs chaînes mises en parallèle, mais qui hémche. Normalement, le générateur photovoltaïque dans le pompage solaire, il représente le variateur par un plus et un moins, uniquement. Un de entrée au deux bornes. Mais qu'un variateur de vitesse, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Je mets les chaînes d'alcam en parallèle et vous les branchez, faites le plus et les moins. Bon, définition borne de raccordement des modules photovoltaïques pour une alimentation au courant continu. Quel est PB au plus? Pardon. PB. Les bornes de raccordement de la résistance de freinage. Il est utilisé dans l'industrie, surtout. Mais chez le pompage solaire, le PB, le pompage solaire, on l'utilise. On n'est pas utilisé. Et normalement, il est utilisé pour accorder la résistance de freinage. C'est lorsque vous voulez réaliser un freinage rapide, un arrêt rapide. Hetchi qui stimule l'industrie, qui connaît un moteur, par exemple, il est en train de tourner, un broyeur ou le chéhaja, ou le kin, un bouton d'arrêt d'urgence. En cas d'accident ou de problème, vous pouvez actionner avec le bouton et le moteur va s'arrêter instantanément. D'accord? Ça se fait faire la borne. Mais le pompage solaire, c'est déconseillé d'utiliser la borne. Ça ne sert à rien.
On a intérêt à arrêter la pompe progressivement. On n'a pas intérêt de l'arrêter brusquement. Qu'est-ce qu'un RST? RST. L'entrée d'alimentation principale AC. Ça veut dire quoi? B3 Pardon? phases. Les trois vases nigériens. Lorsqu'on veut l'alimenter en tension alternative. Pour accorder l'alimentation. Triphasé. Trivasé Injection au réseau. Un variateur. L'IGM un réseau. L'IGM un réseau. Réseau ONE ou la REDAL ou la LIDEC ou le MN10. L'IGM un réseau. On a parlé de ça. On a dit que les variateurs solaires ont une entrée qui peut être raccordée au réseau. C'est une entrée de compensation, soit c'est une entrée de basculement. Rani Choufouachi. نعاودوه باش نعقلوا عليه، ولكن كومون تعقلوا عليه بان عنده اون اونتخي ريزو. هذيك الاونتخي ريزو اون بو برونشي سي سي ان فارياتور دو فيتاس مونوفازي يل سوفي دو برونشي فاز اي نوتر، ها هما لايف نوتر فاز اي نوتر سي سي ان فارياتور دو فيتاس مونوفازي. Si c'est un variateur de vitesse, pardon, si c'est un variateur de vitesse 220 volts, je suis dans la monophase, c'est-à-dire qu'on tient triphasé. Triphasé 220, ou tu branches fait vers le phasomètre. Si c'est un variateur de vitesse 380 volts, vous êtes obligé de brancher les trois phases. R, S et T. Et les phases minin, on a raison. Ou, quelle est l'alternative de la raison si on n'a pas accès au réseau? Le groupe électrogène. Le groupe électrogène. Il y a des utilisateurs qui le font. Ils ont un groupe électrogène, ils le font marcher la nuit. Ou ils ont le générateur solaire, ils le font marcher durant le jour. Ça se fait. Donc, l'entrée est libre. Soit que vous avez le réseau, là, le groupe électrogène. Et si vous n'avez rien, donc vous pouvez l'utiliser durant le jour. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, il y en a, c'est le bon de raccordement à la source d'alimentation triphasée. Alors, on a une VW. Qu'est-ce que ça représente? C'est la sortie du variateur. Normalement, la sortie du variateur, on va la brancher à quoi? La pompe. La pompe. On va la brancher à la pompe. D'accord. À la pompe, c'est un moteur AC généralement triphasé. D'accord? UVW, ça représente les bornes, la pompe. Mais bien, quand le dernier branchement, on doit brancher le variateur de vitesse à la terre. Le branchement à la terre, il est très important. Ça n'est pas négligé. Malheureusement, bzaf les installateurs, bzaf les installateurs, mais qui branchent le variateur de vitesse à la terre. Qui dit l'installation de qui branche les panneaux, la pompe qui est dans le mais qui est mouchki. Le constructeur la bombe de la mise à la terre, déjà pour la protection des de personnes, yani, au cas où on casse un coffret, ou le coffret il est métallique ou il est lié à la carcasse du variateur, donc c'est pour la protection des de personnes. Hein. Deux, c'est pour la protection des de composants électroniques qui sont à l'intérieur du variateur. Les NM, la terre, qui est des parasites, qui est des courants parasites électroniques, la carte de la puissance du variateur. Mais que de l'eau la terre, et donc les courants parasites qui m'chirent à la terre. Ou même que de la terre, et donc les courants parasites qui sont en train de nuire les composants électroniques de puissance bien le variateur. Je ne sais pas c'est donc les transistors de puissance bien l'eau, et donc les MOSFET de puissance bien l'eau, les IGBT, qui est le laser. Donc ils sont endommagé partiellement, progressivement, mais la carte de puissance d'Elo AC, elle lâche. Voilà, si vous mettez une bonne terre, voilà, il y a des conditions et des normes pour
pour mettre en place une ventaire et que vous la branchez le variateur d'Elcom, vous êtes à la fois en train de protéger les personnes contre les chocs électriques et vous êtes en train de protéger le circuit électronique dès le variateur d'Elcom lui-même. On va voir les images, les photos de les installations, comment on réalise la terre et comment on la branche avec le variateur, avec le coffre métallique, d'accord, avec le parafoudre, qui est le parafoudre, le coffre de protection des systèmes de pompage solaire. Donc, on va voir tout ça plus tard. Je fais le schéma de câblage de la partie puissance. Il est simple. Mais qui fait chez Hajamakada? Le générateur photovoltaïque, il est quand finalement, quand je plus ou moins, comme je vous ai dit. Un seul plus, un seul moins. On le branche les entrées plus ou moins, l'entrée continue, le variateur de vitesse. Le PD, mais quand c'est un loge, il dit que la résistance de freinage, mais quand c'est un loge, il ne faut pas le solaire. RST, il a un réseau de groupe électrogène branché, hein? Ou la pompe d'ELC, tu vas la brancher UVW. Quand oui, la pompe triphase. Quand on chauffe le cas de la pompe monophasée, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais d'abord, pour l'instant, quand on simplifie ou quand on fait le cas général, on parle d'une pompe triphasée. Ou on ne le néglige pas. Le branchement de la terre, mais eux, on ne le néglige pas, c'est impératif. Mais il peut installer une installation de pompage si vous ne faites pas l'arbre. Il y a un trappe, il y a un moyen pour creuser une terre et la brancher à votre variété. Est-ce que vous avez des questions? L'entrée réseau. Elle peut être branchée soit au réseau, soit à quoi? Groupe électrogène. Voilà, le groupe électrogène. Aouli, il peut être négligé. Ce n'est pas obligatoire. Mais là, on a accès au réseau, on a accès au groupe électrogène. Là, on a le générateur photovoltaïque, on a un système de stockage, par exemple. Je vous fais d'abord la partie commande. Il y a le variateur de vitesse. Demain, Inch'Allah, je vous fais les photos. Je vous fais des photos du de variateur de vitesse au Mouham Hlul. Je vous fais la partie commande, la partie puissance. Il y a une photo rayée. Je vous fais un schéma. Voilà. Donc, la partie commande, il y a. D'abord, je fais la partie puissance. Il fait les tensions, le kbar. De la pompe, de la réseau, de les modules photovoltaïques. La partie commande fait les tensions s'ouvrent, de la commande, de le variateur. Je veux qu'on fait la partie commande. Qui compte là? Ou le projet avec le commutateur marche arrêt, commutateur de mise en marche, mise en arrêt, que vous utilisez soit pour démarrer la pompe ou là pour l'arrêter. On off, un bouton on off, soit pour démarrer la pompe ou là pour l'arrêter. Voilà que lorsque vous démarrez la pompe, vous avez besoin de voir un indice que la pompe a démarré. C'est pour cela qu'on met des voyants. Un voyant vert qui indique que la pompe a démarré et un voyant rouge qui s'allume lorsque la pompe s'est arrêtée. D'accord? Et même il y a possibilité de rajouter un voyant orange qui indique qu'il y a un manque d'eau. Le berouk, le cache-filme. D'accord. Comment on branche les différents composants avec la partie commande du variateur de vitesse? Le variateur de vitesse, on observe les bornes de la partie commande. Chaque borne, elle a un nom. Elle a un nom propre. La borne X1, Flamarkovitch. D'accord. Les nomenclatures, le schéma, il est similaire, même les autres marques qui chabou bzaf. Donc, la majorité de Kremlin a un schéma de câblage similaire. La borne X1, normalement,
كنديرو الانتريبتور ديالنا، الانتريبتور دو ميز ان مارش، ميز ان اري اونتر اكس 1 اي لو كوم. نساو هادي، هادي بور لانستون فولا نيجليج. دونك اون مي ان انتريبتور اونتر اكس 1 اي كوم. Et comme aussi, c'est une borne de la partie commande. Lorsque X1 est connecté avec COM, qu'est-ce qui se passe? On passe vers le relais. Là, il y a un relais avec le relais. Il a la canal X1, il commence la pompe qui a démarré ou la qui a démarré? Qui a démarré. Qui a démarré. و الى تفرقات على الكوم لا بومب كتحبس صافي هذا هو لو رول ديال لو كومونتاتور ميزون مارش ميزون لا انا لي فويو دابا لي فويو عندنا الفويو فير كيكون برونشي مع لو كوم اون بيرمانونس و لوتر بورن ديالو كتكون برونشي مع تي ا تي ا سي اوسي اون بون دو لا بارتي كوموند سميتها تي ا هاد تي ا كتكون برونشي avec un fil, un autre fil de chaîne, mais TC, ou TC qui est branché à 24 volts. 24 volts, c'est aussi une borne la partie commande. Donc, il y a 24 volts, il y a TC, il y a TA, on dirait une chaîne de là, ou une chaîne de là, ou TA, lié à le voyant vert, il y a le voyant vert, il y a le voyant vert. Le voyant rouge qui indique la mise en arrêt, il est branché à TB directement. Il a TB. On la branche à le voyant rouge. On le branche à le con. Tout simplement. D'accord. Ça fait donc si vous mettez en marche votre pompe dès qu'elle démarre, le voyant vert, elle va s'allumer. Et lorsque vous la mettez en arrêt, dès qu'elle atteint 0 Hz, le voyant rouge s'allume. Vous avez la possibilité de rajouter un relais de niveau. Ouais. C'est quoi un relais de niveau? C'est un relais qui permet de donner l'information. Indique le. Oui. Voilà, il indique l'information sur la présence de l'eau dans le puits. Normalement, on va voir ça dans la partie protection. La pompe. On l'installe avec des électrodes. Donc, les électrodes, normalement, ils sont branchés avec un relais de niveau. C'est avec les électrodes qu'on détecte s'il y a de l'eau dans le puits ou si le puits est devenu sec. S'il est devenu sec, dans ce cas, il faut arrêter la pompe. Pourquoi? Parce qu'une pompe qui est en train de tourner sans présence de l'eau, il risque de surchauffer, donc de se brûler. D'accord? Dans ce cas, il faut protéger la pompe contre la marge à sec avec un relais de niveau. Le relais de niveau, il est branché avec les électrodes. Et lorsqu'il détecte qu'il y a marge à sec, que le puits ne contient plus d'eau, il va basculer le point. Donc, au lieu de connecter les deux points, le com, au lieu de le connecter à X1, il va le connecter ici. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque X1 est détecté. X1, c'est une entrée, dit le variateur de vitesse. Ce n'est pas une sortie, c'est une entrée tout ou rien. Il détecte soit 0, soit 24 volts. Donc, si X1 ne détecte plus le 0, ça veut dire qu'il est en train de détecter 24 volts, il ne va pas le détecter parce que le relais est lié à les deux points. Le point, ça n'est plus lié à la masse. Donc, la première des choses, c'est que le variateur va arrêter la pompe progressivement. C'est comme si on a ouvert le commutateur. Et en même temps, le voyant orange va s'allumer. Le voyant orange est branché à 24 volts. Il attend qu'il soit branché au con, le ou le moins. Donc, dès que le relais le branche, il va s'allumer et la pompe va s'arrêter. Donc, c'est le fonctionnement du relais. De niveau. La bobine du relais de niveau, normalement, il est alimenté par 24 volts et par le com, A1, A2. Et là, le schéma de câblage,
Les relais de niveau, on va voir dans la partie protection quels sont les différents moyens pour protéger la pompe contre la marche à sec avec des électrodes et un relais de niveau et avec la protection de la marche à sec, les programmables, le variateur, ou avec la protection des relais de niveau, les intégrés, le variateur, qui fait un relais de niveau intégré. Donc, il y a un système. On va voir les différents moyens. Il y a trois moyens de protection de la pompe. Voilà, donc il y a le schéma des chevilles. Je fais la définition de chaque borne de commande. TA ou TC, ce sont des relais de sortie. TA ou TC, normalement ouvert. Il est normalement ouvert, mais qui est le contact, bien sûr. Le manque d'eau, le voyant, c'est un voyant qui indique que le puits ne contient plus d'eau. TB ou TC, ce sont des relais normalement fermés. TB, mais TC, on a des relais normalement bien sûr fermés. Ou TA, mais TC normalement ouvert. L'A1 ou l'A2, c'est les bobines d'excitation du relais de niveau, qui te branche l'A1 mal 24 ou l'A2 mal compte. La marche, c'est un voyant qui indique que la pompe a démarré. L'arrêt, c'est un voyant qui signale que la pompe s'est arrêtée au slot 0 Hz. X1, c'est une entrée torque, ça veut dire entrée tout ou rien du variateur. Il peut détecter est-ce qu'il est branché au con, dans ce cas, la pompe va démarrer. S'il n'est branché à rien, la pompe va s'arrêter. 24 volts, c'est une sortie 24 volts qui est le variateur. Donc, pour alimenter les voyants d'hier, pour commander les relais et tout. C'est une alimentation. D'accord? Donc, demain, Inch'Allah, on va voir d'autres parties sur l'installation du variateur de vitesse, son branchement, sa programmation, les alarmes et les erreurs qui peuvent être détectées par le variateur de vitesse et les solutions pour les résoudre. D'accord? C'est une partie aussi très importante. Les pannes, les clients, généralement, les installations de pompage solaire, ce sont des signaux d'alarme ou des erreurs qui s'affichent sur le variateur. Le variateur, c'est rare qu'il s'arrête carrément, qu'il cesse de fonctionner carrément. Normalement, il s'arrête, il va continuer à fonctionner, il va vous afficher un code d'erreur. C'est à vous de diagnostiquer le code, de l'interpréter et de chercher une solution. Donc, on va le voir demain, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne nuit. Merci, monsieur. Merci. Merci.